Alors nous sommes très heureux aujourd'hui d'accueillir la revue digitale, qui est un élément important et stratégique pour faire en sorte que l'ensemble des petites et moyennes entreprises comprennent ce qui est en train de se passer sur le numérique. Ce sont ces partenariats qu'il faut maintenant renforcer pour faire en sorte qu'on puisse irriguer, toucher toutes les petites et moyennes entreprises de France. Et vous savez, on a 3,5 millions d'entreprises aujourd'hui en France. Vous avez une moyenne d'âge qui est entre 55 et 65 ans et dont, pour certains chefs d'entreprise, la préoccupation est la cession-transmission. Au moment où les entreprises, on va dire, reprennent un peu du poids sur la bête, on est en crise depuis 2008, il y a maintenant un énorme défi, c'est cette fameuse transition numérique, rupture digitale qu'il va falloir enclencher. Et donc, elle est capitale pour que les business models évoluent. Regarder les concurrents, c'est une chose, mais souvent, la transition, elle est derrière. Elle se situe auprès d'un acteur qu'on n'a pas encore identifié. Et donc, il va falloir que l'on reprenne, on va dire, du sens stratégique, que l'on remette à plat nos modèles. Et certains vont être accompagnés, d'autres vont solliciter leurs équipes pour justement repenser le modèle économique. Et toutes les entreprises de France et de Navarre vont être touchés par cette transition numérique, cette rupture qui va arriver plus ou moins vite. Et donc, il n'y a pas de temps à perdre. C'est un enjeu qui est capital pour la survie de notre entreprise. En France, on a une évolution numérique qui est très forte et il faut capitaliser sur ce savoir-faire français. Eh bien, le message que je souhaite faire passer aux petites et moyennes entreprises qui doivent bien comprendre cette mutation numérique, c'est soit de se faire accompagner, soit de mettre les équipes en mode projet. Et vous savez, la rupture, la transition, elle peut être aussi mise en œuvre par la diversité des équipes, jeunes, moins jeunes, hommes, femmes, et toute la diversité qu'il peut y avoir à l'intérieur d'une entreprise. Et de déjà en avoir conscience est un élément important. Souvent, les chefs d'entreprise estiment que la transition, eh bien, elle est en train de se mettre en place dans l'écosystème, on va dire, dans l'univers dans lequel ils sont. Donc, ils s'étalonnent par rapport à des compétiteurs qui sont historiques, légitimes. Mais souvent, dans la transition numérique, on s'est aperçu que les compétiteurs n'étaient pas forcément ceux qu'on avait en face, ou qui étaient les plus modernes, qui avaient développé un site internet un peu plus performant, qui avaient développé des outils digitaux que nous n'avions pas développés. Souvent, la transition et la rupture vient d'acteurs tiers, de nouvelles entreprises, qui ne sont pas forcément sur le même segment, qui développent une application qui n'est pas forcément core business et qui vient faire concurrence par rapport au business traditionnel des entreprises. Et donc, il faut avoir une énorme capacité d'observation pour pouvoir après faire évoluer les modèles. Bon, l'événement que nous souhaitons organiser avec le MEDEF, c'est faire en sorte que les petites et moyennes entreprises, et notamment les startups, puissent réellement avoir accès au marché. Avoir un financement, c'est bien. Avoir une première commande, c'est capital. Et bien souvent, cette première commande, elle est structurante dans le développement des entreprises. Et donc, renforcer le lien entre les startups et les grandes entreprises pour faire en sorte que cette première commande, elle puisse être l'envol pour une petite entreprise est capital. Il y a certaines préconisations qu'on demande, d'intégrer le crédit impôt recherche dans le cadre de cette première commande pour les grands groupes, mais surtout de travailler sur le fait qu'un entrepreneur qui cherche, on va dire, cette première commande, il ne recherche pas un emploi dans un grand groupe, donc le risque de requalification, les notions de dépendance que souvent on oppose dans les grands groupes, eh bien, il faut entièrement le revoir pour faciliter l'accès de cette première commande. Après, les initiatives que nous portons, elles sont diverses et variées au MEDEF. On reçoit des jeunes, des étudiants, des organisations qui portent le dynamisme entrepreneurial pour faire en sorte que cet écosystème qui, on va dire, est assez disruptif, puisse aussi nous apporter beaucoup, nous, organisations professionnelles, comme le MEDEF, et nous accompagner dans notre mutation, parce que nous n'échappons pas, nous, organisations, à notre mutation. Et les démodées que nous organisons, elles nous permettent de pouvoir donner conscience, on va dire, de l'évolution économique au travers des jeunes et moyennes entreprises. Et le partenariat que nous avons aujourd'hui le démontre, d'accompagner cette transition, cette rupture, on va dire, numérique qui est capitale pour le développement de notre économie.